Salut tout le monde, c'est Largo et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Rogue Legacy pour l'épisode 5. Donc voilà, on va jouer tranquillement. Bon, là malheureusement j'ai un petit peu avancé vu que le son du jeu était trop fort. Donc vous entendiez pas ma voix pour la vidéo d'avant, donc j'ai pas mal avancé quand même. Donc voilà, j'ai réussi à retrouver le boss. Mais je l'ai pas abattu pour le moment du tout. Donc voilà, donc on se retrouve ici. Du coup, j'ai 0 pièce. Donc niveau 8, voilà, il faut à chaque fois faire avec l'architecte pour qu'il baisse le bâtiment, enfin pour qu'il sauvegarde le bâtiment, sinon ça fonctionnera pas. Donc voilà, bon, c'est un peu ennuyant, mais ça va. Allez, et sachant que là, j'ai un checkpoint directement pour aller jusqu'au boss, donc là on va pouvoir essayer de battre le boss. Donc hop, c'est juste là. Et on y go. Donc voilà, hop, il faut... Merde, putain, je suis censé être plus haut normalement. Ok. D'accord, putain, ça veut pas, ça a pas voulu. J'étais censé être bien plus haut normalement. Ok. Alors, qu'est-ce que ça va donner là? Hop. Bon, normalement, tout... Ah putain. Normalement, en tout cas, le son ne doit pas être trop fort. Ah, je suis déjà mort. Ok. Bon, bah, c'est ennuyant. Allez, on relance du coup. Dame Vera affiche tous les ennemis à l'écran. Non, ça, dans la salle où on est, c'est vraiment hyper utile. Donc voilà. Bon, il est tout petit, mais c'est hyper utile ce pouvoir-là de pouvoir lancer les des shurikens, j'ai l'impression. C'est vraiment le truc le plus utile au monde que j'ai pu trouver. Donc voilà. Et sachez que cette vidéo sera très courte parce que j'ai pas pu filmer avant en plus. Et que je filme le matin même. Donc voilà, c'est pour ça. Donc elle sera sans doute plus courte que les autres, sans doute une minute, un truc du genre. Ah. Mais vous en faites pas, il y en aura des plus travaillés et qui dureront plus longtemps par le futur. Et les autres l'auront aussi. 30 MP du coup, et là regardez-moi ça, hop, ça l'attaque en continu, hop, on en relance, ok, hop, on esquive, merde, oups, merde, je me suis arrêté sous la boule. C'est pas très intelligent, mais bon. Est-ce qu'on va vraiment réussir un jour? Je sais pas. Lance une hache géante en arc. Pas mal. Pas mal, pas mal. Moi, il faut juste des personnes qui attaquent, qui sont des gros bourrins là pour essayer de gagner. Donc, voilà. Donc, la hache géante, ça me va. Mais après, faut que j'arrive à viser quand même. Donc, voilà. Alors, le passeur, comme d'hab, qui nous fait chier, qui nous vole tout notre fric. Bon, là, on a rien, donc on s'en fout. Donc, voilà. Hop. Le boss. Est-ce qu'on va réussir à l'avoir? Hop. Alors. Faut pas qu'on mette trop longtemps, parce que ça va être chiant après. Donc, ok. Alors, sinon, à la limite, je chercherai d'autres boss si je mets trop longtemps en vrai. Hop. Merde. Ok. Merde. Putain. C'est quand même galère à esquiver. Oula. Tac. Et je me suis fait démonter. Oh, dans l'autre sens. Oups. Ah. Oh. C'est galère à gérer quand même. C'est trop compliqué ce truc. Bon. Et le truc c'est que j'ai pas envie de finir le boss en plus hors vidéo. Ce serait triste. Donc bah j'essaie de le faire là. Bon, en vrai ça me déçoit. Je suis pas triste du tout de le faire là. C'est plutôt cool, mais c'est juste qu'après ça peut durer peut-être longtemps. Donc voilà. C'est pour ça. Ok, alors. Voilà, on y retourne. Et là, j'espère qu'on va enfin réussir à le tuer. Hop.
Je sais pas. Faut quand même espérer, quoi, en fait. Donc, voilà. On espère qu'on va le tuer. Et on va le tuer, du coup. Sinon, on ira farmer des pièces après pour les autres... pour les autres vidéos, pour essayer de trouver assez d'équipement en plus pour essayer de le tuer. Putain. Oh. Oh putain, il avait pas beaucoup de vie ce. il avait pas beaucoup de vie là. Bon, ok, on va essayer de faire une dernière fois et ensuite après on ira voir pour des pièces en plus pour améliorer là notre vie et tout par exemple. Parce que sinon on pourra pas survivre bien longtemps. Donc, ok. Donc, merci architecte. Et du coup, on pourra avoir peut-être trouver les autres salles de boss. Bon, en vrai, on aura peut-être trouvé les 4 salles qu'on sera pas prêt. Enfin, j'en sais rien en vrai. Ça peut être ça, mais c'est pas sûr. Donc, hop, on y retourne. Allez, on est des terres. J'espère qu'on va réussir cette fois-ci. Même s'il y a très peu de chance, mais bon, faut y croire, faut y croire. Donc, alors, comment fonctionne mon arme déjà aussi, de base? Hop. Ah, ok. Ça fait ça. Ah. Ok. Mais non, mais j'arrive pas à contrer ces trucs-là. À sauter pour les contrer. Vraiment, genre, j'y arrive pas parce que je sais pas. Dès que je saute, ça fait pas ce qu'il faut. Mais ouais, putain, bon là, ok, là je suis juste pas doué. Mais pour l'autre attaque, c'est hyper compliqué en vrai si tu commences à jouer comme moi. C'est genre, t'arrives pas à savoir s'il faut sauter ou pas. Pour éviter certains ou genre ça te bloque. Oh putain, on est dans le flou. Parce qu'il y a certains où ils te bloquent, on sait pas s'il faut sauter ou pas. Ça c'est embêtant quand même. Parce que du coup, on est paumé puis on perd plein de cœurs. Donc j'irai voir des gameplays de Rogue Legacy, des speedruns et tout sans doute, et puis je verrai comment ils font, mais en vrai, je mettrai longtemps à maîtriser leur technique quand même. Donc on fait une dernière fois. Hop. Et après on ira voir les autres salles, de toute façon. Alors. Bon là c'est flou mais ça va. C'est un petit... La salle est petite en fait. Donc on voit pas tellement flou en réalité. Un peu plus, c'est un peu quand même. Oh putain si. On voit pas en haut. Ok. En fait faut peut-être rester là-haut. Oui c'est... Ah non putain que j'ai foutu. En fait, faut rester en bas. Parce qu'en haut, on a une plus petite marge de manœuvre. Oups. Là, il fallait sauter sur lui pour essayer de l'attaquer. Oh merde, qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai cru que c'était l'autre attaque dans ma tête, donc je me suis dit, bon, allez, on descend. Mais non. Donc, ok, donc là, on fait une petite dernière pour la route. Où on va nous essayer de tenter de le tuer, puis l'épisode suivant on va vraiment essayer de trouver des pièces etc en plus pour des armures en plus en fait. Donc voilà. Donc ok, allez on y go, tel un super héros avec notre cap. C'est super je sais pas quoi, super chevalier. Allez on y go. Donc hop, moi j'en ai un petit peu marre, donc on va en finir maintenant. Alors, le boss lui en a marre. Quitte de rien du tout. C'est quoi ce truc? Ah, ça perd. Ah, ok. Ah, ça par contre faut le gérer. Ce truc là, bon, ok. Putain, je fonce sur les boules qu'il m'envoie quand même. Ok, bon. Bah écoutez, c'est la fin de la vidéo. Donc, je suis un peu dégoûté quand même. Elshift. Dame Priscilla, 15% de chance de critique. 125% de dégâts critiques. PV, MP, force faible. Niveau 8, canaille. Équipement home de l'écuyer. Bracelet de l'écuyer.
Force 18, intelligence 30, chance de critique 15, dégâts critiques 275. Ok. Bon, ok. Je n'y arrive pas pour le moment en tout cas. Mais bon, c'est pas grave, on va y arriver les autres jours. Et voilà, donc on va y arriver après. Donc donc c'est la fin de la vidéo. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Sur ce, c'était Largo. Tchuss.